Bonjour et bienvenue, chers poissons, sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de la guidance pour vos énergies pour la semaine du 27 septembre au 3 octobre. Déjà, imaginez, on est déjà aux portes du mois d'octobre, tout simplement. J'espère que vous allez bien. En tout cas, du moins, c'est ce que je vous souhaite. J'aimerais vous présenter ici, évidemment, c'est une lecture générale des énergies. On parle de prendre exclusivement ce qui résonne en vous, ce qui vous parle, ce qui peut-être une réponse à une question que vous posez, tout simplement. Sinon, vous laissez tout simplement de côté, ça ne vous appartient pas. C'est peut-être à d'autres poissons ou ascendant poisson ou lune en poisson, tout simplement que le tirage s'adresse. Mais je vous suggère quand même d'aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait vous donner d'autres informations ou des informations supplémentaires si la situation vous rejoint, tout simplement. D'accord? Alors voilà. Ce que je voudrais, c'est une petite variation qu'on a fait pour la semaine. J'ai introduit le Good Quantic Box, qui est pour question d'abondance. Ça va être la carte que j'ai choisie pour être la carte principale de la semaine. C'était comme 54, 100% abondance. C'est qu'on vous on, le but de ce jeu, c'est de reprogrammer les schémas inconscients et nous débarrasser de nos croyances limitantes. C'est aussi, comment je peux dire ça, c'est s'ouvrir à des portes, à un changement qui est en profondeur, tout simplement. C'est ce genre de jeu-là, avec un superbe jeu de Stéphanie Abalan. Pour ceux qui ne les connaissent pas, très beau petit jeu. Très intéressant à faire, à prendre une carte chaque jour, comme un petit peu comme les cartes, un petit peu comme les autres oracles. Je le prends comme un oracle, moi, de toute façon. Vous allez voir, les textes sont assez inspirant, je dirais. Voyons, qu'est-ce que j'ai fait là? On recommence le ménage. Il était pas prêt. Ah, il était pas prêt. On continue. En tout cas, j'espère, comme je vous dis, la situation n'est pas trop perturbante pour vous. Je sais que la semaine passée, on a eu quand même 2 jours, 2, 3 jours de brassage de cage avec les énergies de la pleine lune ainsi que pas tellement de brassage de cage, plutôt au niveau du mental. Ça se tenait au niveau de l'esprit. Du cerveau, et en plus avoir l'équinoxe qui dérangeait un petit peu l'énergie, le cycle un nouveau cycle d'énergie, c'est assez spécial. L'équinoxe d'automne, je dois dire. Mais bon, c'est en arrière de nous, c'est sûr qu'on en subit encore un petit peu légèrement les conséquences, mais c'est quand même moins, d'après moi, moins ardu, du moins que la semaine passée. Moi, la semaine passée, en tout cas, ce qui est aujourd'hui, pour moi, c'est cette semaine, mais pour vous, c'est la semaine passée, si on se fie aux dates. Mettons qu'il y a eu quelques nuits d'insomnie. Hein? Remarquez qu'on s'en est sorti quand même. On suis sorti. On a été travailler sur la méditation, des choses comme ça. Des petites choses qu'on avait mises de côté parce que, bon, l'énergie n'était pas nécessairement là pour. Ou le temps n'était pas là pour s'occuper un petit peu plus de nous. Alors, j'en ai profité pour m'occuper un peu plus de moi durant les périodes d'insomnie. Bon, alors, message pour vous, chers poissons, pour la semaine du 27 septembre au 3 octobre, s'il vous plaît. Merci, merci, merci. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Carte au milieu. Alors, ça va être celle-là aujourd'hui. Regardez comme c'est beau. C'est juste dommage, là, la tranche est en train de perdre sa couleur, mais ça aurait été beau le temps que ça dure, ça aura duré. On va le prendre de cette façon-là. Alors, la vibe abondance du jour. On vous dit, chaque grande destinée commence par un pourquoi pas. C'est concrétisé par un je peux essayer et a été couronné par un je ne lâcherai pas. Quelle que soit la phase dans laquelle vous vous trouvez, ne visez pas la réussite, simplement l'étape suivante. Le succès est au bout du chemin. Je vais vous la relire. Chaque grande destinée commence par un pourquoi pas. C'est concrétisé par un je peux essayer. Il a été couronné par un « je ne lâcherai pas ». Quelle que soit la phase dans laquelle vous vous trouvez, ne visez pas la réussite, simplement l'étape suivante. Ne visez pas la réussite, virgule, simplement l'étape suivante. Je finis par vous le dire comme il faut. Le succès est au bout du chemin. Il y avait une pause à Attendez, je vais essayer de vous la mettre. Est-ce que je mets le doigt de... Non. Chaque grande destinée a commencé par un pourquoi pas. C'est concrétisé par un je peux essayer. Il a été couronné par un je ne le lâcherai pas. Quelle que soit la phase dans laquelle vous vous trouvez, ne visez pas la réussite, simplement l'étape suivante. Le succès est au bout du chemin. Une belle
Un bel instrument de motivation, ça. À vous de savoir dans quelle étape vous êtes. Mais chose certaine, c'est quelque chose de bien. Alors, c'est l'énergie pour la semaine, tout simplement. Accomplir votre destinée, je vous le dirai de cette façon-là. Okay. Allons, avec le Yagel Didier, on va faire le jeu principal. On va sûrement peut-être prendre d'autres cartes. Moi, je voulais prendre soit des pour apprendre à la surprise, dépendamment comment le tirage se déroule, ou le petit oracle des anges pour demander des informations supplémentaires, ou des directions, peut-être d'autres directions à prendre avec ce qu'on nous donne comme information. C'est à suivre. On va le voir comment. Il n'y a pas un tirage qui s'est fait, je pense, que presque de la même façon. Ça dépendait toujours de ce qu'on avait comme information, ce qu'on nous demandait de faire, de toute façon, dans l'information. C'est un tirage qui puis ressemble plus à de la voyance qu'à de la guidance, je vous le dis tout de suite. On est plus sur le plancher des vaches que dans le ciel et dans l'univers. On va le dire de cette façon-là, mais des fois, ça fait du bien. Ça fait changer un petit peu de prendre un petit peu la semaine un peu plus légère, je dirais. Bon, allez, c'est parti pour vous, chers poissons. Alors, pour la semaine du 27 septembre au 3 octobre, et c'est parti. Merci, merci, merci. Yo! L'étoile, ça commence bien, c'est protégé. Il y a du retard ici. Une période de réflexion, hein? Bon, alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Chers poissons, vous êtes protégés. Votre semaine, en tout cas, est protégée par des énergies, je vous dirais, des énergies divines. Ça peut être une protection, je veux dire, peut-être de quelqu'un qui est décédé, peut-être, que vous avez demandé. Ou une intention, quelqu'un, vous avez demandé à quelque part d'être protégé dans la situation que vous vivez. Vous avez demandé une protection. Ça vous est accordé déjà en partant. Il y a un retard par rapport aux démarches que vous avez entreprises, ou du moins dans ce que vous aviez, je vous dirais, envisagé de faire, dans la routine que vous vouliez établir, dans la façon que vous vouliez que les choses se déroulent, il y a un retard. Ça ne se passe pas tout à fait comme vous aimeriez que ça se passe. Je vais le dire de cette façon-là, ça ne veut pas dire que ça ne se passe pas. Mais ça ne se passe pas aussi vite et non, ni de la façon, parce qu'on sait que c'est la clé. C'est ce que vous avez imaginé ou débuté, commencer quelque chose. C'est ce que je vous dis, c'est que les résultats se font attendre, on va le dire de cette façon-là. Pourtant, il y a des réussites au bout, avec le soleil ici, qui est déjà en ta protection entre le soleil et les étoiles. Je pense que vous n'êtes pas dans une position précaire, ça c'est sûr et certain. Mais il y a, oui, effectivement, des retards face aux événements que vous avez, ou du moins les attentes que vous aviez, peut-être des vœux, des grâces que vous avez demandées, ou tout simplement des actions que vous avez entreprises dans votre vie qui, comme je vous dis, le résultat se fait attendre. À un point, il veut dire, ou même, je pense que ça pourrait concerner un changement d'habitation, un changement oui, d'habitation, je dirais, parce qu'il y a une réflexion ici en plus. On se demande si est-ce qu'on change 4 $ pour 4,25 sous pour 1 $. Est-ce qu'on met de cette façon-ci, est-ce qu'on met tous nos œufs dans le même panier? Il y a une réflexion qui semble s'imposer à vous. C'est qu'on le voit ici, dans le sens qu'il faut réfléchir, étant donné que la situation ne se présente pas nécessairement comme peut-être vous l'aviez imaginé, sans être catastrophique, si on s'attend, parce qu'il y a quand même des superbes de belles cartes. Mais la tenante, ou du moins la résultante, n'est pas disponible pour le moment. Donc, vous, peut-être que vous attendiez ça pour prendre une décision pour autre chose, comme, mettons, comme par exemple un déménagement. Mais il semblerait que c'est ça, c'est un petit peu ça qui est un petit peu... les réponses se font attendre, je voudrais dire. Les démarches sont plus difficiles, les démarches sont plus longues. Il y a toujours des délais, donc c'est un petit peu difficile d'arriver à mettre les choses en place pour que ça suive de façon fluide. Autrement dit, vous déménagez, vous pouvez commencer à louer, vous commencez à déménager, dans ces actions-là à faire pour réaliser l'action, je veux dire, il y a du retard, donc ça vous met, vous, un petit peu en pétard, sûrement. Mais ça vous demande aussi une réflexion.
pour voir la situation d'une autre façon, de ne pas vous laisser bloquer parce que vous dire ça ne se fait pas comme vous vouliez. Hein? Bon, c'est ça partie de la vie aussi. On n'a pas toujours ce qu'on veut. Je pense que, dépendamment à l'âge où vous en êtes rendu, vous en êtes sûrement rendu compte dans votre vie. Donc, c'est juste, dans le moment, je vois plus ça comme un retard, comme une contrariété, que comme un échec de la situation. C'est pas ça du tout par rapport au soleil qui est là, en plus du plaisir qui est à côté. Mais c'est juste que les choses ne se débrouillent pas dans un ordre que vous pourriez avoir un certain contrôle, une certaine, veut dire, dans ce mot, moi je dirais contrôle, c'est un petit peu ça, veut dire, qui vous fait un petit peu sauter la craque, si on peut dire de cette façon-là, parce que ça se déroule pas comme vous aimeriez, ça se déroule. Dans votre tête, à vous, c'était planifié. Mais la planification ne sert plus à rien ici. Mais je pense que c'est pas pour rien que ça ne se déroule pas comme il faut. Parce que vous allez de l'avant, on le voit ici en haut. On le voit ici en haut. Vous allez quand même de l'avant, mais il y a quand même des ennuis là qui s'annoncent. Il y a une situation, je pense, qui a changé à l'intérieur du moment où vous avez pris une décision, une certaine décision, pour où vous avez amorcé des changements. Il y a des situations qui changent, là. Monétairement, déjà. Peut-être les fonds ou les aides que vous attendiez, ça n'a pas tombé comme ça aurait dû tomber. C'est pas arrivé comme ça aurait dû arriver. Je pense que c'est plus administratif que d'autres choses. C'est pas des décisions. C'est pas parce que vous avez pris une mauvaise décision. C'est pas ce que je ressens avec ces cartes-là. C'est comme si on y avait, comme on essayait, pas sans vouloir, hein, ça, c'est peut-être un règlement qui fait que ça vous met un bâton dans les roues. Il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer. Évidemment, ça, il y a des pertes d'argent, d'énergie. Hein, c'est un peu normal, veut dire, c'est quand les choses ne se passent pas comme on aimerait, comme on avait planifié de le faire, comme on avait calculé et tout. C'est d'ailleurs le calcul que vous aviez fait ici. Le changement, mais je pense que le changement va s'amorcer du moment que vous allez accepter la situation, si on peut le voir de cette façon, avec la lune et la mort et la résurrection. C'est qu'à dire, c'est que c'est, en réalité, c'est le combat que vous faites dans votre tête à un moment donné, qui, bon, c'est sûr, face aux événements, vous essayez pas trop vous en faire, mais c'est presque impossible, parce que, comme je vous dis, vous avez complètement perdu le contrôle, ou en tout cas, pratiquement perdu le contrôle sur la situation, parce que vous êtes bloqué à tous les niveaux, vous essayez de bouger ou d'avoir ce qu'on vous avait peut-être promis. Mais j'ai l'impression, quelque part, que c'est à vous à accepter le changement de situation. C'est comme ça que la situation va, moi, je la vois se débloquer. C'est que vous restez entêté ou obstiné à vouloir exactement la même chose, même si les conditions ont changé. Sauf que d'avoir les mêmes conditions, ça ne serait pas viable. On vous le dit assez, c'est d'ailleurs pour ça que je vous dis que ça vous fatigue autant. Vous avez essayé, tant que vous avez pu, pour essayer d'arranger la situation, mais ça ne fonctionne pas de la façon que vous aviez préparé ou planifié de faire le mouvement. Parce que du moment que vous avez accepté que ça ne se fera pas de la façon que vous voulez, la nouveauté s'installe et l'équilibre également. Et là, on peut commencer les démarches. Si vous regardez la suite des cartes, il y a une officialisation ici. On parle de nouvelles de quelqu'un qui pourrait vous donner, ou même au niveau du travail. Est-ce que c'est une question de crédit qu'on vous bloque? Ça pourrait être la possibilité. On parle toujours de déménagement, de changement quand même relativement. Ça peut être au niveau du travail aussi, mais moi, je le sens plus au niveau personnel, dans ce cas-ci. Mais est-ce que le fait, peut-être, est-ce que la restriction de peut-être que votre travail a changé, ou du moins, peut-être que vous avez trouvé un emploi qui pourrait confirmer que vous avez les moyens de rembourser les traites, c'est peut-être dans ce sens-là aussi. Mais c'est vraiment le retard, pas le retard, OK, c'est pas vrai. Ce que je veux dire, c'est que du moment que vous savez que ça a été retardé ou bloqué dans la suite des événements, ça s'est précipité, évidemment. Mais il y a aussi une part je vous dirais qu'il y a une part de votre... Il y a une part que c'est votre responsabilité qui a fait que les choses se sont menées de plus en plus accumulées à un point où est-ce que s'il n'y a plus rien qui avance. Mais c'est parce que c'est vous qui refusez le changement. C'est vous qui refusez la façon que ce qu'on vous propose, ou le compromis, ou
C'est dans ce sens-là que ça, c'est dans votre tête à vous qu'il faut arriver à l'accepter. Vous le savez, remarquez que c'est pas quelque chose que je vous annonce, là, vous le savez, mais c'est dur à avaler. Parce que nos projets, notre rêve, il est entaché, là. Il est un petit peu décevant. Et pour vous, là, c'est. J'ai gâché ma chance. Votre rêve ne sera pas réalisé. C'est comme non, non, wow. On te demande, il y a des événements, il y a des choses qui s'annoncent de nouveau, mais il y a de l'équilibre aussi. Donc, c'est pas, tu perds pas tout. Moi, je vois ça plus comme un compromis, comme une négociation, que vraiment un échec. De dire, on oublie tout puis on recommence à zéro. C'est pas ça. C'est vraiment à vous de comme je vous dis ça, de baisser peut-être vos attentes dans ce sens-là. Dans le sens que vous êtes capable après ça de parce que c'est pas perdu, mais c'est juste que le moment présent, c'est pas adéquat pour vous, ou alors c'est pas pour vous dans le moment, il y a autre chose peut-être qui va s'ajouter. Chose certaine, du moment où vous acceptez que les choses ne sont pas exactement comme vous l'aviez rêvé ou vous l'aviez planifié, ça débloque de partout. Donc c'est vous qui mettez le frein dans le moment, là. Par panique, peut-être par peur, par... Tout tour de pensée veut dire qui vous arrête, qui vous font peur, qui vous inquiète, qui vous crée de l'anxiété, qui vous crée de la crainte, qui vous crée... Bon, comprenez-vous? Mais une fois accepté, une fois négocié dans votre tête, ça passe bien, vous êtes ouverte et l'équilibre se réinstalle. À partir de ce moment, on voit aussi les choses bouger, même au niveau du travail. Je ne sais pas si vous êtes en attente de nouvelles... de quelqu'un pour un travail. C'est peut-être tout ça qui a fait que ça a retardé. On aurait dit que le timing n'était pas bon. Les démarches ont été entreprises peut-être trop de bonheur par rapport ou peut-être aux conditions qu'on vous a peut-être demandées. Vous dire, c'est bien beau de faire un prêt aussi ou ça, mais as-tu un travail? Oui, j'attends des nouvelles. Oui, mais attendre d'avoir des nouvelles qui soient de confirmation. Après ça, tu reprendras dans ce sens-là peut-être. Vous avez peut-être voulu aller un peu plus vite que vous auriez dû. C'est pas une mauvaise chose. Mais dans la situation présente, c'est un petit peu ce qui laisse... Un sentiment veut dire de, quand je vous dis, pas, c'est pas d'échec aucunement, mais comme c'est comme bon, ça part, vous avez une impression que ça part en vrille. Là. Alors que c'est pas du tout le cas, c'est juste que les choses ne sont pas synchronisées, tout simplement. Parce qu'ici, on le voit, il y a un contrat, une nouvelle pour un travail, tout et tout. Et là, on repart, on va dire, avec les outils, c'est très fort, la santé est bonne, la famille, ça va, un peu d'énergie, un petit peu d'énergie nerveuse, mais aussi parce qu'on est dans l'action. Fait que c'est pas quelque chose de mauvais non plus à ce niveau-là. Faire attention à la fatigue aussi, au stress, je dirais pas burn-out, mais je veux dire fatigue. Fatigue nerveuse, fatigue mentale, fatigue physique aussi. Okay. C'est juste qu'il faut falloir laisser à un moment donné. Pour vous, ça a été une épreuve. C'est une épreuve pour vous, cette chose-là. C'est comme. Vous ne pouviez pas vous imaginer que ça aurait pu tourner de cette façon-là parce que vous étiez tellement sûr, vous aviez les signaux, étaient tellement forts selon vous que vous êtes engagé dans la situation avant même d'avoir confirmation, peut-être. Vous avez voulu peut-être aller trop vite. C'est dans ce sens-là que je le vois. Ça vous a mis quelques bâtons dans les roues, justement, parce que vous ne pouviez pas donner les réponses adéquates aux questions qu'on vous posait, tout simplement. Même si les choses sont ralenties, même si les choses sont pas nécessairement faciles, ni que ça roule pas nécessairement, c'est pas fluide nécessairement comme énergie, c'est pas non plus épreuve en arrière par-dessus épreuve, hein, c'est pas dans ce sens-là. Moi, je pense que le compromis vient ici. Ça vient de vous. Ça vient de vous ici face à ce peut-être aux barrières ou aux réalités qu'on vous met devant le nez, finalement. Mais parce que c'est on aurait dit que c'est ça qui débloque tout. À vous de voir si ça s'adresse à vous. Voyez voir si vous pouvez tempérer peut-être vos désirs dans le sens que c'est pas, ça ne veut pas dire que tu n'auras pas ce que tu veux. Ça se peut que ça ne se passe pas comme tu aimerais, mais ça va se passer quand même. Dans les délais que c'est normal ou dans les délais veut dire qu'ils sont habituels. Vous avez lu peut-être aller plus vite pour passer à autre chose après. Mais dans ce cas-ci, ça n'a pas fonctionné. Puis bon, mais vous en rendez compte. Je trouve que dans le fond, c'est ça qui est important. Hein? Du moment que vous vous rendez compte que ça ne sera pas nécessairement comme vous auriez voulu, mais que vous pouvez quand même rattraper les choses, ben voilà, l'équilibre revient. Là, vous êtes ouvert, veut dire, à autre chose, veut dire, pour renforcer encore votre désir. Moi, c'est comme ça que je le vois. Une belle demande quand même.
C'est des beaux projets. Ça, c'est pas. Il y a un changement d'habitation, d'après moi. C'est peut-être ça. Est-ce que c'est pour un pays? Est-ce que c'est des choses d'immigration, peut-être? Est-ce que c'est dans ce sens-là? Peut-être que le fait que le retard est fait, vous n'avez pas nécessairement les confirmations que vous auriez besoin pour passer votre demande. C'est peut-être ça qui vous a un petit peu découragé, un petit peu sur le coup, mais vous reprenez les rênes. Les nouvelles attendues arrivent. Alors, c'est bon en soi. C'est pas mal ce que je peux voir dans les cartes ici par rapport à la situation. On va les refaire, on va les remélanger. On va voir un petit peu qu'est-ce que ça nous donne comme autre message. Oh là là, j'espère que vous allez bien, hein? Je n'ai pas demandé tellement de vos nouvelles. Je voulais aussi remercier les gens qui se sont abonnés, qui m'ont mis des remarques aussi. Je vous en remercie des commentaires. Ou ceux qui ont partagé également les vidéos, c'est important parce que plus on s'aperçoit que ça peut aider d'autres personnes, bien, tant mieux. Ça veut dire que le message se rend. Je suis bien heureux de le savoir. Je suis pleine de gratitude également. Je voulais aussi souhaiter la bienvenue à tous nos nouveaux abonnés. Merci beaucoup d'avoir pris la peine de venir nous rejoindre. C'est amplement intéressant pour vous, mais pour nous aussi. De voir la communauté grossir, être capable de m'en donner, de faire autre chose. Ça s'en vient. Moi, je mets ça plus vers soit en fin d'année ou au début de l'année prochaine. Il faut que je prépare autre chose. Je sais, il y a déjà des choses qui sont en préparation. Je ne peux pas vous en parler parce que ça va tellement dans toutes les directions que je ne suis pas sûr. Et finalement, la ligne principale que ça va prendre. J'ai l'impression que j'ai trop d'idées. Il faut que je mette la priorité tout simplement sur mes idées. Mais j'ai plein de plans, à mettre en marche, à vous proposer, à toutes sortes de choses. En tout cas, j'espère que ça va vous intéresser, toujours est-il. Alors, vous attendez-vous à des petits changements? Bien, pas des petits changements. Ça va être assez des changements assez intéressants, je pense, en tout cas pour tout le monde, d'ici la fin de l'année ou en début de l'année prochaine, tout simplement, en 2022. Oui, c'est un petit peu ce que je voulais vous dire. Je ne veux pas trop en dire parce que, bon, on ne sait pas ce qui peut se passer hein, aujourd'hui avec tout ce qui se passe dans le monde. Alors, restons sur des pensées positives. Que tout va s'arranger, que la patience, veut dire, à un moment donné, on dit que la patience, c'est la mère des vertus. Alors, votre guidance, les énergies générales pour vous, chers poissons, pour le 27 septembre ou 3 octobre, on va revenir à nos moutons. Allons voir si on essaye autre chose, voir qu'est-ce que ça nous donne comme info, le travail. On en a parlé tantôt, mais légèrement, brusquement, un changement brusque. Oups. Il y a une perte ici. Ouf! OK. La force en plus. En dos de deck. Si on part pour certains autres poissons, ici, il y aurait peut-être un ennui au niveau du travail. Je vois pas nécessairement une perte de totale de travail, dans le sens que vous êtes remercié ou que la compagnie puisse... peut-être fermer, faire faillite. Il y a différentes situations qui se peuvent se présenter. Mais il y a une interruption, c'est sûr. L'interruption, elle est là. C'est sûr que ça attire peut-être certains... Ça vous attire certains peut-être... mais c'est vrai que ça arrive rapidement. C'est vrai que ça arrive rapidement. Donc, c'est peut-être pas nécessairement quelque chose que... Ou peut-être que vous en avez entendu parler. Ça pourrait être une fermeture temporaire. Moi, je le vois de cette façon-là parce qu'il n'y a pas de changement après ça. Mais oui, on parle vraiment de petits ennuis, de gros ennuis, assez pour qu'ils arrivent rapidement, mais l'équilibre est retrouvé. Et je ne sais pas si... Mais ça ne se fera pas sans monétairement, parce que je vois ici une indemnité, ok, de départ, ou peut-être de mise à pied temporaire, comme je vous dis. Vous ne restez pas au moins une main devant, une main derrière, on peut le dire de cette façon-là, gentiment. Vous n'êtes pas dépourvu, financièrement parlant, je parle. Émotivement, là, c'est notitoire. Mais financièrement, au moins, vous n'êtes pas... En tout cas, vous trouvez de l'aide.
Si ça ne vient pas de l'employeur, ça vient à quelque part d'autre. Il y a une aide. Il y a remarqué que vous demandez de l'aide. Il y a une demande ici. À nos associations. Dans ce sens-là, mais il y a des choses qui signent. Est-ce que ça. Ah, c'est peut-être. OK, je comprends. C'est peut-être au niveau du logement. Moi, je le vois comme un petit peu, peut-être comme un changement de logement, mais on irait peut-être subventionner, peut-être. Bon, moi, je pourrais parler des logements à faible coût, des choses comme ça, une aide, vraiment une aide substantielle qui va vous donner la chance de passer par-dessus peut-être des difficultés parce que c'est fort, vous êtes capable de passer. C'est juste un petit coup de main que vous avez besoin pour passer par-dessus la crise qui se profile, tout simplement. Ça peut être une réduction d'heures aussi, hein. Au niveau du travail. C'est sûr que ça amène une perte de revenus, hein, on s'entend. Mais je pense que vous parvenez, en tout cas, ce que moi je ressens, c'est que vous parvenez à rééquilibrer le budget, si on peut dire, en ayant justement cette aide-là au niveau du logement. Au niveau du loyer, est-ce qu'on peut vous aider au niveau d'un loyer? Est-ce que c'est une association qui peut le proposer? Est-ce que c'est une aide gouvernementale qui vous fournit de l'aide, tout simplement, pour, bon, le temps que les choses se replacent? Mais ça concerne le foyer. Moi, je le vois comme le foyer, définitivement, même si le travail peut être un petit peu impliqué au début, ça peut amener certaines difficultés. Mais vous avez de l'aide. C'est les choses, je veux dire, vous avez la protection ici avec l'étoile. Donc, c'est pas quelque chose qui vous en sortez bien. C'est que je ne vous dis pas que vous allez rouler sur l'or, mais du moins, vous vous en sortez bien. Vous avez au moins les choses que vous avez besoin minimum. OK? Je dirais même plus, un petit peu plus qu'un minimum, en ayant la protection puis en ayant le garder l'argent est là. Un peu d'argent nerveuse, un petit peu de nervosité, un petit peu de stress au niveau de la santé. Mais bon, période d'immobilisation. Encore là, rien de tragique, rien de pas d'insurmontable, je devrais dire. Non, c'est assez clair. Je pense que c'est un ennui que vous aurez à passer par-dessus, tout simplement, parce que, mais de toute façon, comme je vous dis, vous avez de l'aide. C'est pas quelque chose, je veux dire, on vous laisse tomber, on vous laisse dans votre détresse, si on peut dire ça de façon-là. De toute façon, aucunement. Vous avez l'étoile ici pour vous protéger. C'est pas dire que ça n'empêche pas des moments plus durs dans notre esprit à dire hey, comment je vais m'en sortir. Se poser des questions, mais il faut faire confiance, hein, à garder la foi, je dirais de cette façon-là. D'ailleurs, on va aller voir les cartes, le petit oracle des gens, voir qu'est-ce qu'il nous dit là-dessus, lui. C'est un petit peu ce que vous avez peut-être à vivre à ce niveau-là. On va prendre une petite carte ici. Une carte ici. Voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit? Bonté et vérité. Bonté, un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. C'est sûr, hein? On arrête de se traiter de toutes sortes de noms. Vérité, la meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. On ne met pas de fleuriture, on met pas on n'exagère pas la situation. On a ce qu'on appelle la vérité toute nue. C'est ça. C'est ce qu'on vous demande. Face à vous-même aussi, c'est pas nécessairement face aux autres, mais ce que vous vivez comme épreuve, il faut être franc envers vous-même. Est-ce que c'est certains gestes que vous avez laissé un peu trop les gens décider pour vous? Est-ce que c'est vous avez peut-être pensé que la période qui était bénéfique allait durer vitam aeternam, puis vous avez pas gardé une poire pour la soif? Est-ce que vous avez surestimé, veut dire peut-être votre façon peut-être de consommer? C'est peut-être ça aussi, de cette façon-là. Mais c'est important de se dire la vérité parce que du moment que vous reconnaissez que peut-être que vous n'avez pas accompli ou vous n'avez pas posé les bons gestes au bon moment, ben ça vous fera qu'à la prochaine fois, vous aurez une alarme. Donc, vous saurez qu'il faut agir à un tel moment. Prenez-le de cette façon comme une expérience. C'est pas nécessairement une expérience, c'est pas toujours facile à vivre, c'est pas toujours plaisant non plus à vivre, mais dites-vous que c'est nous qui nous mettons dans cette situation-là. Alors, quand on la comprend, on évite de se remettre dans des situations, veut dire, où on est vraiment au bout de nos forces, là. C'est ce que ça vous amène en vous disant ça. Mais il faut être bon avec vous. C'est pas de vous mortifier, de vous flageller. C'est fait de toute façon.
faut le prendre comme ça vient. Il faut se dire nos quatre vérités et de jurer de ne plus se faire reprendre. Je mets mon interprétation, tout simplement. Mais comme je vous dis, il ne faut pas non plus le faire de façon à vous faire du mal et à vous tellement regretter qu'il veut dire que vous êtes en train de vous en rendre malade. Non, c'est pas la façon de réagir à des erreurs ou des mauvaises estimations, de veut dire peut-être de la situation. Là. Simplement de voir où vous avez perdu, veut dire où vous avez perdu l'attention sur la chose qui se passait au point que vous n'avez pas vu que vous étiez en danger ou que vous vouliez vous mettre en danger. Pas laisser non plus décider les autres. Quand c'est le temps de mettre le coup près, c'est le temps de mettre le coup près. Pas attendre. C'est sûr que des fois, on pose des questions à tout le monde. Qu'est-ce que tu ferais à ma place? Ou t'appelles-toi, qu'est-ce que tu devrais faire? Ou toi, qu'est-ce que tu ferais? Comprenez-vous? Dans ce sens-là. Mais c'est quand même bien. C'est bien parce que moi, je me dis, du moment que vous reconnaissez que vous avez peut-être foiré à quelque part, c'est la moitié de la solution. Hein? Parce que vous, en principe, vous ne devriez pas vous faire prendre deux fois. En principe, vous devriez être capable de, si vous avez bien compris, vous êtes dit à vous-même la vérité, parce que c'est ça, en fait, c'est vous face à vous. Il n'y a personne, il n'y a pas de jugement, il n'y a rien, à moins que vous aimiez juger vous jugez vous-même, mais je vais vous revenir avec la bonté, OK? Il ne s'agit pas de se flageller, il s'agit de se rendre compte de la manière qu'on agit, notre schéma de pensée face à ces événements-là, tout simplement, pour arriver justement à le corriger, et on n'oublie pas non plus ce qu'il nous a dit. Que chaque grande destinée commence par un pourquoi pas. Hein? Voilà. Alors, cher poisson, on va aller tout de suite à la question du oui ou de non. Savoir veut dire jusqu'à quel point, qu'est-ce que vous aimeriez avoir comme réponse à votre, à votre question. J'ai mis un petit chien sur une et j'ai mis un petit poisson sur l'autre. Donc, vous décidez l'animal que vous aimeriez qui réponde à votre question, tout simplement. C'est le temps de mettre sur pause si vous désirez prendre le temps de formuler bien votre réponse ou tout simplement votre question, pardon. Ou alors de bien décider quelle sorte de question vous voulez poser, tout simplement. La priorité dans les questions, tout simplement. Alors, je vous laisse quelques secondes pour réfléchir à savoir quel animal vous allez choisir pour répondre à votre question. Allez-y, cher poisson. Alors voilà, pour ceux qui ont choisi, c'est le temps de la réponse. Mettez sur pause, vous n'êtes pas prêts. Je vous le dis tout de suite. Ceux qui ont choisi le chien, la réponse à votre question, c'est non. Alors évidemment, ceux qui ont choisi le poisson, la réponse à votre question, c'est oui. J'espère que c'est la réponse que vous attendiez. Sinon, ben, dites-vous que ce n'est pas la synchronicité, elle n'était pas là. Ce n'est pas le bon moment à la bonne heure ou bon, à la bonne place, tout simplement. Ou c'est carrément pas le moment pour vous d'avoir la réponse à cette question-là. Il y a peut-être d'autres choses, d'autres choses que vous auriez à faire. Il y a toujours une raison à tout, hein? On sait. Aujourd'hui, vous savez aussi. Mais ne découragez pas. Dites-vous que vous continuez à travailler fort pour aller chercher ce que vous désirez, tout simplement. Et que c'est évitable. Et sans éviter, vous ne pourriez pas avoir, j'ai de la misère à dire le mot, alors je vais contourner la difficulté. Excusez-moi, hein? Comme je vous dis, c'est de travailler fort pour arriver justement au but que vous cherchez. Pas oublier non plus. On va vous le relire une petite dernière fois. On vous dit, chaque grande destinée a commencé par un pourquoi pas. C'est concrétisé par un je peux essayer. Il a été couronné par un je ne le lâcherai pas. Quelle que soit la phase dans laquelle vous vous trouvez, ne visez pas la réussite, simplement l'étape suivante. Le succès est au bout du chemin. Donc, si vous êtes à l'étape de « je ne lâcherai pas », vous savez qu'est-ce qu'il y en est. Maintenant, si vous êtes à corriger ou à rectifier rectifier la trajectoire, il n'y a pas de problème. Acceptez qu'il y a une vérité à faire face avec beaucoup de bonté. D'accord? Voilà, chers poissons, c'est ainsi que les énergies pour la semaine du 27 septembre au 3 octobre se terminent pour vous. J'espère que ça a pu vous aider, vous donner certains éclaircissements sur certaines situations. Je vais vous redire d'aller peut-être voir les vidéos pour votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire pour vous donner peut-être des informations plus complémentaires. Je vous demanderai de ne pas reposer la même question, ça ne donne absolument rien. C'est comme si vous magasiniez pour une réponse. Alors que veut dire la première réponse sur votre signe solaire, ça vous a donné, restez-en, laissez tomber les cendres un petit peu de la journée
Vous recommencerez un peu plus tard dans la semaine, c'est tout. D'accord? C'est les conseils que j'ai, moi, à vous donner. Sinon, vous, tout ce que vous faites, c'est mélanger les énergies sans même avoir des réponses qui vont être sûres de toute façon. OK? Alors voilà, chers poissons, c'est ainsi que se termine, comme je vous ai dit, votre guidance. Je vous souhaite une excellente semaine. Il va y avoir peut-être des petites choses qui vont avoir à être réglées, à peut-être avoir un autre point de vue ou rester ouvert à ce qui peut, aux possibilités qui pourraient arriver. Mais encore là, je vous souhaite toute l'aide possible, amour, bonté, travail, c'est ce que vous désirez, c'est ce que vous recherchez, prospérité, santé également. Alors voilà, c'est tout ce que je vous souhaite pour la semaine. Alors nous, on se dit au revoir, je vous dis merci et on se dit à la prochaine. Au revoir, chers poissons.